Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un partenariat. Partenariat avec Cross Stitch, je ne sais pas si je vais bien prononcer, Cross Stitch VIP. Je vous l'ai noté là. Et c'est un partenariat ils m'ont contacté il y a quelques temps et c'est un partenariat de Point de Croix. Alors, c'est pas ce que je fais le plus, j'en ai eu fait, mais bon, après, je me suis dit, je suis allée voir leur. Ils m'ont demandé d'aller voir sur leur site si je voyais des choses qui pouvaient me plaire. Ouais. Et auquel cas, j'ai ma soeur qui fait beaucoup de points de croix, donc je pense que je lui en offrirai. Voilà. Donc pour Noël, ça va bien tomber. Donc, je vais vous faire voir. J'ai reçu ça ce matin. Donc j'en ai pris trois. Voilà le premier. Tiens. Super joli, j'adore. Franchement, leur boutique est sympa, hein. Ils font pas mal de petites choses. C'est vraiment basé sur le point 3. Je vais l'ouvrir. Excusez-moi pour le bruit. Alors, voyez, Cross Stitch, Cross Stitch, c'est leur nom de leur boutique. Alors, je trouvais cette petite poupette très jolie. Elle est trop mignonne. Et, ah ouais, d'accord. Alors voilà, c'est présenté comme ceci. Donc là, hein, je vous ai mis donc Cross Stitch VIP. Avec le code promo, vous avez droit à 5%. Le code promo, c'est Mimi, M majuscule, M-I-M-I, 05. Voilà. Là, on a tous les écheveaux, tous les cotons en fait, hein, qui sont mis répertoriés comme ceci par couleur. Ouais, c'est génial, hein? C'est vraiment bien fait leur truc, hein? Ouais, super. Voilà. Et donc là, on a toutes les couleurs concernant ce motif. Là, on a la toile qui fait, ah oui, quand même, hein. C'est un 40 par 50, c'est quand même assez grand. On dirait qu'elle est doublée tellement elle est grande. Et là, vous avez, voilà, tout le motif. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, vous avez le motif. Ici, on a les aiguilles qui sont fournies. Les numéros correspondants aux couleurs et là les points correspondants et là on a le patron. Ouais, je pense que je ferai voir à ma soeur qui me montrera hein, parce que là je suis pas sûre, je verrai avec elle, mais il est très beau. Donc j'ai pris celui-ci. Et vous allez voir. Donc on va remettre ça. Comme ceci. C'était. Je ne sais plus comment c'était mis. Donc c'était comme ça. Ouais. Non, c'était plutôt dans un sens comme ça alors. Ouais. Belle toile hein. Au niveau de l'épaisseur, c'est ouais, c'est bien, c'est franchement très 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 épais. Ouais, oh pardon. Donc là, je vais le remettre dedans et je vais vous montrer les autres. Un petit joueur de balle, il est beau aussi, hein. J'aime bien, très beau. Je vais voir dans la même dimension, pareil, même dimension.
les couleurs, on retrouve un peu le même style de couleurs puisqu'on reste dans les rouges, bruns. Elles sont beaux les, ouais, elles sont belles les couleurs, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. C'est très très joli. Donc voilà, la toile. Ah ben là, par contre, je ne sais pas trop comment ça fonctionne sans moi. Il faudra que je, vraiment que je lui fasse voir, qu'elle me dise, parce que... 22. Alors, donc, je regarde en même temps. Donc ça fait bien 40 par 50. En plus, c'est grand. Hein. Donc, les couleurs, ouais, c'est marqué là. 9. Ça, je sais même pas comment ça fonctionne en fait. Là, 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 les symboles. Alors, ici, vous avez tous les symboles qui correspondent à votre couleur, mais il y a un, ouais, alors le symbole, là, la petite flèche par exemple, 25, alors, il va être ouf. Ça, je sais pas ce que c'est là. 5, 6, 7, 11, 12. Je ne sais pas. Je sais pas à quoi ça correspond réellement. Enfin, je lui demande. Je sais pas du tout. Bon, je vous ferai voir. Donc, ça donne ça. Vous allez pouvoir voir mieux que moi. Hein. Parce qu'on voit pas forcément le dessin là. Hein, comme c'est fait là. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième que j'ai pris. On va remettre les écheveaux ici. Il y a aussi les deux petites aiguilles ici. Voilà. Bien, ils fournissent. Et la toile est vraiment en qualité. Enfin, je crois que ma soeur me dira parce qu'elle connaît mieux que moi. Mais je pense qu'en qualité de toile, c'est pas mal quoi. Elle fait de la broderie, tout ça, donc on expliquera. Et le petit dernier, c'est celui-ci, un petit nounours. J'aime bien, je trouve qu'il est beau. On va regarder, il est un peu moins gros celui-ci. On serait peut-être par celui-là. Il a peut-être moins de couleurs aussi, je sais pas. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et le lien de la boutique également, Cross Stitch, en barre d'infos. Donc là, ah oui, plus sur des, regardez, les couleurs sont plus sur des petits bruns, marrons, toujours présenté, voilà, comme ça, hein, 25 couleurs. Ouais, là, il y a 25 couleurs. Et le dessin, c'est ça. Toujours en 50. En, ah là, c'est un 40-40, celui-ci. Il est un peu... Il est carré, voilà. On a aussi les deux petites épingles qui sont fournies. La toile est vraiment très... Ouais, c'est costaud, c'est proche. Je sais pas. C'est... Et le gabarit, toujours, qui est prévu avec. Avec les symboles, les numéros de couleurs et les codes des couleurs, voilà, qu'on retrouve ici. Franchement, rien à dire, très belle présentation, très belle boutique, hein. Je pense que au niveau qualité, ça doit pas être mal. Voilà pour ce qui est de mon partenariat avec cette boutique. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je serai dessus, mais on verra. Je vais vous faire voir ça d'abord. Donc, voilà pour ce qui est de mes trois sélections dans la boutique Cross Stitch.
Donc là, il y a un numéro, hein, 536. Là, il n'y en a pas. J'ai trouvé vraiment très joli. Limite, un petit arlequin, là. Trop mignon. J'adore. Voilà, et vous avez le code promo ici, si vous voulez. Hop. Postitch, VIP, 5% avec le code. Allez voir le site avec le code MIMI05. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, bonne fin de journée. Au revoir.